pour un petit peu de Trackmania. Donc j'en profite que personne ne soit là encore pour faire une carte. Une carte très courte. Très très courte. Là, on va se mettre deux jours. Hein. Donc moi, je profite parce que c'est vrai que ça ne plaît pas vraiment quand on présente l'idée aux viewers de faire une carte très courte. Alors du coup j'en profite un peu. Je suis arrivé en juif sans prévenir ni rien du tout. Hop. Ah bah voilà, il y a déjà deux viewers. Oh, j'ai même pas le temps. Alors donc je disais, je profitais qu'il n'y avait pas de viewers sur la chaîne pour pouvoir faire une map courte, mais genre vraiment très courte. J'irais moins de 20 secondes en validation. Alors c'est marrant, j'ai placé aucun bloc, mais on est déjà à 290 en haut là. Donc je sais pas. Ouais, c'est peut-être le fait de le coût de base pour une carte. Je sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, on va faire hop. Ensuite, on met. On va faire une carte courte, mais très 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 intéressante. Alors, on va faire une carte. Voilà, comme ceci. Moi, je serais tenté pour faire un truc comme ça. Est-ce que, genre. Non, ça marche pas, ça. Je voulais faire un truc un peu dégueulasse. Mais en fait, l'histoire, c'est qu'on slalome un petit peu entre les blocs. Alors, est-ce que si je me mets. Ouais, non, mais non. Alors, je vais être obligé de mettre. Alors, au début, juste pour embêter. Alors, le mix mapping, mais oui, ça ne marche pas sans le mix mapping. C'est ça qui est intéressant aussi, hein, je pense, dans Trackmania, c'est d'utiliser le mix mapping. Parce que c'est vrai qu'on est rapidement. On est rapidement bloqué. Si on ne l'utilise pas. Alors je vais mettre un truc un peu comme ça. Peut-être pas lui. Peut-être plus. Plus move. Plus move comme ça. Alors est-ce que ça fait un petit rebond machin? Ou pas? Non! On l'est bien. On l'est bien, on l'est bien, on l'est bien. Ok. Donc on va sauter au-dessus de l'eau. Voilà, comme ceci. De l'eau. On va mettre un peu d'eau. Genre comme ça. On va mettre un peu d'eau, parce que ça fait un peu spectacle, tout ça, ouais, on saute au-dessus de l'eau. Et ça j'aime bien. Voilà. On peut mettre encore un ou deux blocs, je pense. Un ou deux blocs d'eau. Mais l'idée. Alors j'ai juste essayé pour vérifier que c'était pas. Si c'était bien ça ou si c'est encore un. L'idée c'est qu'on parte un peu sur le côté. Ok, c'est pas mal. Alors du coup on part un petit peu sur le côté. Comme ce. Non, ça c'est trop court pour le coup. Non, 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 on va faire ça. Là c'est pas mal. Ensuite on fait un petit virage, un court comme ça. On va partir sur quelque chose du style. Est-ce qu'il y a un bout de la route qui dépasse ou pas du tout? Ouais non, c'est moche. Alors mince, comment on fait déjà? Ah oui, comme ceci. Voilà. Donc ça va pas. Ça va pas. Par contre, ça risque d'aller un petit peu mieux. Ah non, ça descend aussi. Il n'y en a pas un qui monte? J'étais persuadé qu'il y en avait un qui monte. Comme ceci peut-être. Ah ben voilà. Là, on va faire ça. Alors là l'idée c'était de faire quelque chose d'un peu sympa comme ceci. Alors oui je sais, hein, on aura juste à aller au milieu. Alors l'idée c'était de mettre ça comme ça. Mais en fait l'idée c'est que je mette des checkpoints. Des checkpoints au milieu. Voilà, un truc très très court. Je l'ai bien dit, hein, je l'ai annoncé. J'ai annoncé que cette map serait extrêmement courte. Parce que j'ai pas envie de m'embêter. Alors là, je vais mettre un checkpoint. Voilà. Et en fait, on va mettre
des checkpoints comme ceci, en plein milieu. Alors, l'idée, c'est qu'on en mette un comme ça, et un comme ça. Ah non, parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Voilà. Alors, il n'y a pas de sens particulier, mais bon. Je préfère avoir, en fait, les panneaux jaunes voyants, plutôt que... Parce qu'en fait, quand on se met de l'autre côté, enfin, je sais pas, je trouve ça moins joli. Donc, on va se mettre comme ceci. Alors, je pourrais peut-être embêter un peu les gens et en rajouter un là. Ah ouais, je vais faire ça. Comme ça, on peut pas aller très vite. Donc, on a dit, parce que là, à mon avis, si on ne mettait pas celui-là, à mon avis, en 15 secondes, c'était largement faisable. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment on vous en pense. J'ai pas tourné assez. C'est pas grave. J'ai encore pas tourné. Je pense que j'ai tourné exactement de la même façon. Donc, je... voilà, je vais plus viser comme ceci. Ah non, à droite! N'importe quoi. Ah, par contre, on va pas très vite. Hein? Peut-être que je rajouterai un speed. Je vais rajouter un speed. Donc, je vais enlever ça. Et je vais mettre un speed là et un checkpoint ici. Là. Voilà. Comme ça. Alors, pour le coup, c'est pas fini parce qu'on va quand même mettre des... parce que cette partie-là est... n'est pas très rigolote. Sur une map très courte, il faut mettre beaucoup d'obstacles. Parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, moi je mettrais bien des trucs un peu comme ça. Non. Ou alors, tout simplement. Alors, je vais faire un peu de RP pour une fois. Pour une fois, je mets du RP. Pour une fois, je mets du RP, je vais me mettre comme ça. Alors, où est-ce que je suis? Ah, je suis très bas. Voilà. Alors, j'y vois plus rien. Là. Ah non, je suis en mix mapping. Là. Parce qu'en fait, quand on est en mix mapping, ça n'auto-complète pas les. Comment dire? Les poteaux. Alors, pour le coup, je vais me décaler un peu. Voilà, là on est bien. Hop, comme ça. Alors, par contre, celui-là, est-ce qu'il a... Ouais, ça le fait, c'est classe. Il n'y a pas besoin de mettre poteau en dessous, ça tient déjà tout seul. Peut-être en mettre un ici. Oula, voilà, un là, pour tenir. En mettre un. Alors là, il y a déjà un poteau, c'est marrant. C'est moi qui l'ai mis celui-là? On dirait pas. Je vais en mettre un là. Voilà, comme ça. Comme ça, la map est RP. Bon, là, il y a un mix mapping un peu dégueulasse au milieu, mais bon, tant pis. On pourrait imaginer un truc du style. Alors, c'est pas ça. Je me souviens jamais où sont ces blocs. Ça là, qu'est-ce que c'est? Genre, si je fais ça. Ah, c'est bien ça. Est-ce que je peux le mettre au milieu de la route? Si je fais ça. Ah, par contre, il faut que ce soit collé au sol. En mix mapping. Comme ça. Ensuite. Alors, si j'en mets un là, qu'est-ce que ça fait? Rien! Ça ne fait rien. On pourrait croire, parce qu'en zoomant un petit peu de tout à l'heure à. Voilà, en dézoomant, je sais pas si vous voyez parce que la définition doit pas être super sur votre écran. Mais en fait, ici, il y a un petit bug de texture et je pensais que ça afficherait quelque chose, mais non, pas du tout, apparemment. Alors, on va en mettre un raté en mix mapping encore une fois. Alors là, pour le coup, c'est pareil. Ça fait strictement la même chose. Donc, je vais le lever dans un bloc et je vais m'arrêter là. Est-ce que ça passe? Parce que pour vous, là, on a un speed, mais Ah ouais, le speed pour le coup, waouh. Wow. Oi, oi, oi. Oh là là, n'importe quoi. Donc je vais galérer pour faire un temps correct, mais c'est pas le but. Le but, c'est de faire une marque très courte, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de cartes de plus d'une minute récemment. Et je voulais faire une carte un peu mini-jeu au petit, avec beaucoup d'obstacles. Non, n'importe quoi. Avec beaucoup d'obstacles qui puissent être un petit peu détente le jour où je refais mes cartes. En l'occurrence, là j'ai fait n'importe quoi, mais. Est-ce que je rajouterais pas? Ouais, celui-là il est bien, mais ça casse un peu. Ça casse un peu l'esprit. Ça casse un peu l'esprit. Alors pour le coup, est-ce que si je mets un turbo là, comme ça. Ça marche.
Je ne pense pas en fait. Je pense qu'il est décalé légèrement en dessous, à mon avis. Voilà. Et en fait, bim, on ne peut pas. Alors pour le coup, est-ce que je le laisse? C'est vrai que ça peut être cool pour le coup. Parce qu'on arrive comme ça, bon, on va dire qu'on s'est foiré au coup d'avant. Donc du coup, on n'a pas suffisamment de vitesse. Donc, on est comme ça. Et en fait là, oh là 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 là, c'est terrible ça. Ouais, c'est peut-être pas super bien. Je sais pas. Je sais pas. Pour le coup, c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais je l'enlèverai de là. Je le mettrai juste sur les bords. Comme ça, en fait, ça oblige. Ah non, je suis un coup trop bas par contre. Voilà. Ça oblige à vraiment passer ici. Ouais, ça change pas grand-chose. Salut The Killer 971. Comment ça va? Bon, ben voilà, c'est parti. Une map très très courte. Est-ce qu'on met du RP? Non, on met pas de RP, rien du tout. Peut-être juste pour le fun. Pour le fun. On peut peut-être mettre un truc comme ça. Est-ce que si je me mets en mix mapping, comme ça passe quand même. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça passe. Pourquoi pas? Pourquoi ça ne passerait pas? Oui, ça passe, bien sûr que ça passe. Aïe aïe aïe. Alors là, le speed, par contre, pour le coup, c'est difficile, hein. C'est vraiment pas facile. Ouais, bon, ben voilà, moi ça me va. Moi ça me va, je vais faire ça. Alors là, par contre, ça sort de l'eau. Et ça, c'est pas cool. Ça sort de l'eau. Est-ce que je pourrais pas juste mettre un bloc d'eau là? Est-ce que c'est possible? Genre de mettre de l'eau ici. Ah! Ah ouais! Ah ouais, mais non. Non, bah non, parce que. Parce que voilà, ça dépasse. Alors, contrôle Z. Bon, bah voilà, on va faire ça. Tu cherches des modos. Actuellement, non. Alors, quand tu dis modo, tu veux dire modérateur? Modérateur de chat? Des trucs comme ça? Des modérateurs de chat en ce moment, non. Pas spécialement, je dois t'avouer, je n'en ai pas. Et en fait, je pense que j'ai tout simplement pas assez d'activités de chat pour ne pas le faire moi-même. Mais voilà, c'est vrai que j'ai jamais vraiment pensé, je dois t'avouer. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Du coup, ce saut n'est pas tellement plus compliqué qu'avant avec, avec le RP. Alors là, ça, c'est vraiment compliqué pour moi. Ça, je vais avoir du mal. Alors, ça ne change rien les speeds en fait, mais c'est juste pour faire joli. Je trouvais ça sympa. Je trouvais ça pas mal. Je trouvais ça pas mal. Voilà, on va faire ça. Donc, 17,62. À mon avis, 12 secondes, c'est peut-être faisable. Non, ouais, 12 secondes quand même, pas exagéré, mais. Je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien parce que c'est long quand même, hein. C'est long, 12 secondes. Tu sais comment faire? Je sais comment mettre des gens en modérateur? Oui, je sais tout à fait. J'avais vu cette fonctionnalité-là. En fait, c'est très simple hein, pour mettre des modos. Alors attends, que je vérifie. Excuse-moi, du coup, ça va friser un peu le jeu. Oui, je crois. Je crois. En fait, c'est pour. Il y a une icône juste à cliquer sur le nom d'une personne et à cliquer sur OP User. Donc je suppose que ouais, ça doit être ça. À mon avis, c'est ça. Ça sert à. Ah non. Ça permet de donner des droits, je suppose. Alors après, j'ai pas vraiment trop regardé. Peut-être que c'est pas ça. Je n'en sais rien. Mais le jour où j'aurai besoin d'un modérateur, je me pencherai sur la question, dirais-je. Alors pourquoi j'ai réussi à aller plus vite? Comment c'est. Alors en fait sur le replay je ne comprends pas. J'ai réussi à aller plus vite. Peut-être parce que j'ai tourné là-dedans. Oui voilà. Je suis légèrement en avance, mais genre de rien, hein. Voilà, de 2 centièmes, manifestement. Peut-être parce que je ne tourne pas en fait, tout simplement. Non, je ne sais pas, écoutez. Tant pis, tant pis. Alors là j'ai freiné là, mais. Ouf, oui, c'est difficile ça. Tu peux faire slash mode. D'accord. Ok, et eh ben écoute, tu m'en apprends une, je savais pas. Je ne savais pas. Ah non, j'ai dérapé. J'ai dérapé. Alors par contre là j'ai passé peut-être un peu plus de temps que d'habitude sur la vidation de celle-là. J'aimerais bien faire un temps un peu correct, hein. Au moins arriver à passer les deux trucs dégueulasses là que je suis en train de passer actuellement.
Oh, alors oui, je suis pas parti du bon côté. C'est pas grave. Est-ce que j'inverserais pas le sens des checkpoints? C'est-à-dire partir à gauche d'abord et ensuite à droite? Non. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Il faut vraiment freiner ici, hein. Je sais pas comment faire pour aller plus vite que ça. Est-ce que je pourrais... Ah, par contre, je pourrais le faire en multilap. Et ça, ce serait cool. Je pourrais le faire en multilap. Est-ce que ça se fait? Parce que pour le coup... Ah non, j'avais dit une map courte. M'en fous! Je fais quand même du multilap, j'ai envie de faire. J'ai envie de faire... Alors, pour multilap, c'est comme ça. Ah, je ne peux pas! Non! C'est pas grave, je copie-colle. Alors, j'annule tout. Voilà, je copie-colle. On est bien. Comme ça. Voilà, très bien. Copier. On va le poser là, comme ça on a de la place. Oui, on quitter. Non! Je voudrais retourner en mode d'édition. Voilà. Alors, multilap, on a dit. Comme ça. Voilà. Là, on est bien. Et en fait, j'ai envie de prendre exactement la même chose que là. Donc là, il n'y a pas d'arrivée, forcément. Et en fait, j'ai envie de faire la même chose de l'autre côté. Je sais pas si je pourrais. On va essayer. Alors, pour le coup, c'était ça. C'était quel bloc que j'avais mis? Je crois que j'avais mis ce bloc-là comme ceci. Voilà, j'avais mis ça. Alors pour le coup, je vais prendre l'autre bloc et je vais me mettre là. Ah non, c'est loin. Je vais partir de l'autre côté. Non, tac, 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 tac. Alors, on avait mis un virage simple en symétrique. Ensuite, on avait mis un truc qui partait comme ceci en extérieur, donc c'est pas lui. C'est lui, voilà. On avait mis. Ah, je vais être un peu décalé parce que là j'ai décalé, du coup on a fait un saut de côté. Bon, c'est pas grave. On avait mis celui. Alors on avait mis l'autre, on a mis celui-là, donc je vais mettre le 6. Voilà, on est comment au niveau hauteur? On est au même niveau, parfait. Alors pour le coup, là je vais mettre un checkpoint. Ici, parce qu'il n'y a plus d'arrivée, donc on est quand même obligé de passer là. Et en fait, je vais juste faire ça en 3. Voilà. Tout simplement. Et après, je vais mettre d'autres obstacles du style des poteaux. Ah, oh, du style des poteaux, ouais. Faites. Alors, pour le coup, celui-là, comment je peux faire? Alors, ici, j'ai un poteau, donc je peux me mettre... Non, c'est pas le même! What? Il m'a mis un poteau qu'on ne pourrait pas mettre autrement, en fait. Tout simplement. Ah bah du coup je ne veux pas moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je vais me mettre en mix mapping et je vais voir s'il m'en met quand même un. Il m'en met quand même un, le salaud. Tant pis, je vais me débrouiller. Je vais pas mettre de poteau. Je vais mettre des fils. On va mettre des fils, non. Non, 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 non. Non, mais par contre, on peut mettre genre. Genre ça. Genre ça en plein milieu de la route. Comme des dingues. Alors peut-être pas en plein milieu, mais genre ici. Alors par contre, si je fais ça, ça bloque complètement. Donc ça va pas du tout. Là. Et là. Comment ça fait? Est-ce qu'on peut passer dessous? Parce que si on peut passer dessous, il n'y a strictement aucun intérêt. Donc voilà, on va faire comme ça. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Alors, pour le coup, comment on fait pour changer ça? Parce que je ne sais pas. Combien de tours il faut le faire? 3. Ouais, 3 tours, c'est bien. En fait, c'est ce que je voulais mettre à la base. À la base, je voulais mettre 2 tours. Donc voilà. Deux tours, c'est bien. Mais bon, 3 ça le fait aussi, mais. Ah non. Est-ce qu'on peut changer le nombre de tours? Je sais pas. Si quelqu'un sait et me regarde, comment est-ce qu'on fait choisir l'objectif? Non. Éditer la caméra, non. Éditer les commentaires. Musique de fond spécifique. Tester la map avec le mode. C'est marrant, en haut là il m'affiche une nouvelle collection est maintenant connectée. Ok. D'accord. On est obligé de faire 3 tours en multimap, ça m'étonnerait.
Peut-être dans texture des boîtes. Non. Mode objet, j'ai pas d'objet disponible. Mode macroblog, je n'ai pas de macroblog disponible. Je ne sais pas. Tant pis. Plugin. Non. Comment je fais pour changer là ce que je viens de... Voilà, ok. Media tracker. Non, comment on fait? Réglage de l'aide et assistant. Non, c'est pas ça. Fort de l'aide. Ah, c'est cool ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Caché, ok, bon, très bien. Non, mais écoutez, je ne sais pas comment on fait pour faire, moi, parce que du coup, 3, c'est pas mal, mais. Je ne sais pas. Par contre, ici, il faut mettre un checkpoint là, je pense. C'est problématique. Ici, on va couper. On va enlever ça. On va enlever ça. Là, je vais tourner un peu. Un peu beaucoup, même fort, 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 fort. Là, je suis bien, ouais. Et je vais mettre un checkpoint là plutôt, parce que j'ai peur que les gens, une fois qu'ils aient pris le checkpoint, eh ben ils sautent. Ils sautent pour aller directement, en fait, en se cognant ou je ne sais comment, pour aller directement à l'arrivée et puis recommencer, comme ça, en évitant toute cette partie-là du circuit. Alors, je vais peut-être pas prendre ça. Je vais peut-être prendre ce bloc-là, le décaler, je ne sais pas. Ouais, je vais faire ça. Voilà, je vais faire comme ça. Alors pour le coup, ça c'était plutôt pas mal au final, mais par contre plus long. C'est possible? Là. Voilà, comme ça. Et je vais pouvoir mettre un quatrième obstacle. Un quatrième. Là je suis pas dans le bon sens. Là je suis dans le bon sens. Voilà. Donc ça. Ah, quoique, c'était bien là. Je vais le laisser. Hop, hop. Je vais mettre un truc comme ça qui coupe la route. Un truc. Ah, mais non. Je vais les mettre ici plutôt parce que la route est ondulée donc du coup ça va peut-être mieux marcher. Alors, si je le mets là, est-ce que les gens peuvent passer sur le côté? Ah, c'est short, hein. Oh, ça passe! Bien sûr que ça passe, c'est bien ça! Alors, pour le coup, on va pouvoir peut-être en profiter un peu. Comme ceci. Là, ça passe aussi? Non! Ça passe pas là! Si! Oh, ça passe! Ok! Bon, là, deux, je pense que ça suffit. Deux obstacles comme ça suffit. Et après, je vais juste mettre des poteaux. Des poteaux classiques. Voilà, je vais prendre ces poteaux là. Et je vais en mettre un là. Un là. Un là. Et même un là. Voilà. Comme ça. Alors par contre, le poteau n'est pas aligné. Ça, c'est un peu pénible. Tant pis. Ça se verra pas. On le dira pas. Hein? Ça va être bien. Alors, je vais enlever le mix mapping. Hop. Là, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Parce qu'en fait, ici, si vous regardez bien, haha, si on regarde bien, là, pif, voilà, ça fait ça. Il y a deux poteaux côte à côte. Mais c'est pas grave! On s'en fiche! Alors pour le coup, c'est pas mal. Est-ce que j'enlèverai pas cela? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi y a plus de terre? Ah non! Ah non, non, non! Ah! Merci TheKiller971 de t'abonner à ma chaîne. Ça fait plaisir. Enfin, t'abonner, non, de follower ma chaîne, c'est différent. J'ai appris ça. Alors, par contre, ça c'est un peu pénible. Pourquoi ça a enlevé la terre? Anna, c'est pas ça que je vais faire. En fait, il faut que je remette une route, c'est ça, parce que j'avais utilisé le mix mapping. Faut que je remette une route et après je l'enlève. Et voilà! Parfait! Et donc là, par contre, je vais mettre mon arrivée. En fait, je vais faire qu'un seul tour. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Je vais mettre ça. Voilà, parfait. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et par contre, je vais mettre des boîtes. Je vais mettre ça dans une boîte. Ah non, parce que de toute façon. Ah non, oui, il y a les checkpoints de là. Alors, on est obligé de prendre ce checkpoint, c'est de là. Et après, de toute façon, une fois arrivé là, on est obligé de prendre lui. Ouais, je pense qu'on est bien. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Alors. Ah non, j'ai laissé le multimap pour le coup, parce que je voulais mettre un départ classique.
Voilà, on a dit on mettait pas de multimap. On est bien comme ça, j'aime bien. Alors, je vais faire un temps tout pourri. Ça, je le vois venir, mais gros comme une maison. Ah là 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 là. Ok, c'est pas bon, c'est pas si mal, c'est dégueulasse, mais c'est pas si mal. Ok, ça, c'est vraiment dégueulasse. Pour le coup, je ne pourrais pas faire autrement. Alors, au final, The Killer 171, si tu n'as pas regardé en dessous de la chaîne comme. Enfin, comme tout le monde en fait, tu verras en bas de ma chaîne qu'il y a un petit planning. Et en fait, le week-end, je stream de façon tout à fait aléatoire. Je vais me faire un temps de référence pour pouvoir me comparer à chaque fois. Donc, je vais faire un truc un peu dégueulasse. Donc voilà, donc le week-end, je stream de façon très très aléatoire. Et sinon, après, je stream en semaine. Alors, ça a changé récemment, mais du coup, je crois que c'est le mardi, mercredi, vendredi. De 22h à 1h du matin, à peu près. En général. Alors, je mets minuit et demi parce que des fois je suis un peu fatigué, j'arrête un peu avant. Mais en général, c'est 1h du matin. Et voilà. Ah, je l'ai mieux pris pour le coup. Et donc voilà. Donc, si le dimanche, en général, je stream le dimanche, enfin, un peu plus tôt que ça. Hein, comme tu vois, là il est 20h, je pense. Ça va être mieux. 2 secondes 23 économisées, c'est déjà bien. 20 secondes, c'est possible, à mon avis, sur ce circuit. 20 secondes, c'est largement possible. Ah non! Ah là là! N'importe quoi. Et donc voilà. Alors, ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma voiture elle s'est décalée comme ça? Elle a fait un mouvement de 1! Je ne sais pas pourquoi. Oula, par contre, je suis parti pas droit. J'essaie de trouver un moyen d'économiser un peu de temps et de bien arriver sur le premier checkpoint, mais je crois que c'est comme ça, hein, tout bêtement. On peut pas faire mieux que ça. Ok, j'ai perdu du temps. J'essaie de m'améliorer un peu sur les parties d'après. Ah non, le poteau! Ah ouais, mais ce poteau-là est vraiment. Il va être vraiment pénible, je pense, à gérer. À mon avis, il va être vraiment pénible à gérer celui-ci. Ah non! À chaque fois, je tombe trop tôt parce que je me dis, ah, il y a un truc qui bloque la route, n'importe quoi. Un peu le réflexe du bon conducteur de bien vouloir respecter. Ah, c'est bien ça. On est bien. Bon, j'ai pas tellement d'avance. Oh là 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 là! C'était terrible. Là, celui-là. Oh, yo, 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 on est bien. On n'est pas bien. Ah, putain. C'est compliqué. C'est vraiment pas du tout le style de carte sur lequel je suis bon. C'est le style de carte que j'aime bien mapper, mais c'est pas ceux sur lesquels je suis bon. Ah non. Alors, je pense que peut-être un petit wall hit. Volontaire cette fois-ci sur le deuxième truc dégueulasse qui coupe la route. Alors attends, je vais vous montrer. Genre ici, ça peut être bien, mais comme la route est penchée, avec un wall hit, en fait, on sort de la route tout bêtement. Alors là, je suis parti très à gauche. Je sais pas si c'était le bon choix stratégique. Oh là là. En fait, quand on va trop vite, on saute carrément. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas que ça arriverait. Ouh, c'est pas si mal. Alors, j'ai perdu du temps, mais tant pis. Ah non, 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 non. Au final, les deux checkpoints sont très proches, hein. Il faut vraiment freiner à la sortie du premier checkpoint non respawnable sur les. Ah là là. C'est difficile, je sais pas comment les bons joueurs font pour passer ce genre de truc. Ah là là. C'est difficile. Difficile. Voilà, on est comme ça. Voilà. Allez. Oh non, j'ai pas assez freiné. En fait, il faut vraiment freiner, hein. Je me disais, ouais, il y a moyen que. On n'ait pas besoin de freiner si on prend une bonne trajectoire, mais non, pas du tout. Le speed d'avant fait qu'on a besoin de freiner. Ok, je l'ai mieux pris. J'ai essayé de faire un wall hit, mais c'était pas très concluant. Il faut pas se moquer. Il faut pas se moquer des gens qui ne savent pas jouer correctement à Trackmania. C'est pas drôle.
Là 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 là, c'est terrible, j'ai trop freiné. Ah, je me dis, à l'endroit en fait où il y a les deux checkpoints non respawnables, il y a deux speeds en fait qui sont foncés dans le sol qu'on ne peut pas prendre. Est-ce que si on laisserait pas tomber une de nos roues dans le trou, ça nous ferait pas tourner plus rapidement et on arriverait à passer le checkpoint plus vite? Ça, c'est pas sûr. C'est dommage, je l'ai bien pris et ça n'a pas payé parce que tout ça. Ah si, quoique. Ah non! J'ai tapé. J'ai tapé. Aïe aïe aïe. Ah non, j'ai retapé. Là j'ai retapé encore. J'essaie de vraiment tourner le moins possible. Mais c'est peut-être pas la bonne technique en fait. Faut peut-être tourner avant. Ah. Ok, non. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je recommence. Voilà, on est bien. On est bien. Voilà. Voilà, comme ça. Hop. Ok. J'ai mieux pris le deuxième checkpoint non respawnable. Ah, j'ai perdu du temps. Je m'en fous, je gagne quand même sur le replay. 9 centièmes, c'est pas beaucoup, mais petit à petit, on va peut-être arriver à faire quelque chose de correct. Non. Alors, je sais que ça peut être un peu pénible de regarder comme ça des essais un peu tryhard d'une petite carte, parce qu'on voit toujours un peu la même chose. Ah non. On voit toujours un peu la même chose. Mais bon, c'est important d'avoir un temps correct sur une carte. Parce qu'en fait, une fois après que je la pose sur Mania Exchange, j'ai plein de gens qui me disent, ouais, ta carte elle est bien, mais putain, ton temps de validation il est vraiment nul. Comment je t'ai explosé du premier coup, tout ça. Alors, oui, je comprends que ça puisse être jouissif. Oh non! Que ça puisse être jouissif de commenter et de dire que la map est sympa, ça c'est très bien. Mais après, de dire que ton temps était nul. C'est pénible des fois. C'est un peu déprimant. Mais c'est constructif en général. Donc c'est bien grâce à ces commentaires-là que aujourd'hui je me retrouve à essayer de valider un peu. Oh là j'ai fait un truc, mais genre limite parfait. 22-40. 22-40, c'est bien. Ça me plaît bien. Bon, j'essaye encore une ou deux fois de faire mieux, mais je doute pouvoir faire vraiment mieux que ça. Hein, parce que si j'ai touché à un moment un mur, je pense qu'il est possible de ne pas le toucher. Ah non, j'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il faut freiner exactement à cet endroit-là. Peut-être plus tard, ici. Ah non. Ou alors on fait un tout petit wall hit, mais avant, pour perdre de la vitesse d'un coup. Je sais pas ce que je veux, ce que je sais pas ce que j'ai avec tous mes wall hits là. J'arrête pas d'essayer d'en caser, mais je pense que ce n'est pas aussi optique que ce qu'on peut, on se fait croire à penser. Ça fait plaisir à le penser. Je sais pas trop comment on dit d'ailleurs. Je suis désolé, je parle pas très bien. En ce moment, j'ai un peu du mal avec la grammaire française. Niveau CP. Je suis parti bien droit, alors que c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Et pourtant, je le sais. Hein. Je l'ai fait peut-être 30 fois. Là, c'est bien. Hein. Ok. Ok. Ouh, là, comment je l'ai grillé au poteau celui-là? J'ai touché un peu le bord, je crois. Je vais améliorer mon temps de 6 centièmes, 22,34. Allez, encore une fois. Encore une fois, ça va être bien. Je commence à capter le truc. Ça se voit, non? Ah non. Non, en fait, ça se voit pas du tout. N'importe quoi. Bon, bah écoutez, je pense que de toute façon, j'arriverai pas à battre ce temps. Enfin, je pourrais y arriver, mais. Ah. C'est vraiment dur parce que quand on arrive bien, on a trop de vitesse ensuite et on saute directement si je freine pas direct. Et c'est difficile de bien freiner pile au bon moment, à la milliseconde près. Ah là 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 là. C'est difficile, c'est difficile. Je pense que ouais, ça se joue en fait au temps de freinage au centième près pour arriver. Ah là là, parce que en fait quand on commence à freiner trop tôt, comme je le fais souvent, on dérape et ça va pas du tout. Mais même ici en fait, faut que j'arrive à arriver droit, à atterrir droit.
Comme ça, et un peu plus sur la gauche, peut-être. Ah non, j'ai tourné trop tôt. Nul. Faut bien commencer à tourner après les speeds. Je pense. Et faut freiner avant. On va être voilà. Au moment où on passe le premier obstacle, il faut commencer à freiner. C'est ça, faut commencer à tourner après le speed. Mais il faut freiner. Là là, je touche. Ouais, je touche. Il faut commencer à tourner après le speed. Je touche encore. Et commencer à freiner au premier obstacle. Ok. J'ai freiné un peu avant, pour le coup, parce que j'ai eu très peur. Et c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être pas une bonne idée. Me voilà. Oh non. Difficile. Une carte qui est trop dure pour moi. Vraiment trop dure pour moi. Ah non. C'est donc ça qu'ils appellent un bug landing. Et que des fois t'atterris et en fait tu rebondis sur la carte. Alors là j'ai perdu du temps mais genre vraiment. Bon bah écoutez, je pense que c'est tout ce qu'on va pouvoir faire ici. Je sais pas s'il y a des cuts, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait des cuts. Elle est intéressante cette carte. Elle est très courte, mais elle est intéressante parce qu'on apprend à faire beaucoup de choses. Peut-être considérée comme une map de training, je ne sais pas. Parce qu'il y a un saut un peu décalé. Ensuite, il y a des virages un peu bizarroïdes. Il y a des allers-retours comme ça sur des routes penchées qu'on voit très souvent. Là, il faut passer dans un petit endroit, là, passer dans un encore plus petit endroit, éviter un poteau tout de suite après, et puis pas se gourer. Ouais, non, je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Comment je l'appelle? Je vais l'appeler. Encore une fois, je suis tout seul. Donc je vais pouvoir l'appeler exactement comme je le veux. C'est-à-dire. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler Wowso. Comment on dit obstacle en anglais? Ah, je vais regarder. Bougez pas. Obstacle en anglais. Ah. Alors, je vais aller sur Google Traduction parce que j'en ai marre des sites de merde qui mettent de la pub et tout. Hop, obstacle. Obstacle, eh bien on dit obstacle. Ah, il y a barrière aussi qui est. Ouais. So many obstacles, voilà. Je pense que c'est bien comme ça. Voilà, une map très courte, mine de rien. Mais ça, c'est sympa. Ça fait. Voilà, j'aime bien ce genre de map. Je sais pas si j'en ferai très souvent, mais. en fait, ça construit petit à petit tout un panel de cartes. Tout un panel de cartes sympa. Qu'on peut. En fait, mon objectif, c'est qu'on construise un pack complet. Donc, genre. On prend plein de maps. On les met toutes dans un seul fichier compressé, machin. Et en fait, la personne qui veut juste apprendre le jeu, puisse prendre ses cartes. Alors je suppose qu'il y aura un système de difficulté à mettre en place, tout ça, les classer selon leur difficulté, mais de pouvoir montrer à un joueur tout ce qui existe dans Trackmania, sans aller évidemment jusqu'à des niveaux de skill extraordinaires, mais de pouvoir montrer aux gens qu'on peut faire des trucs cool. Voilà. Donc cette petite carte, temps de validation, j'ai oublié. 20, 22 secondes, je crois. 22-34 de mémoire, je sais plus. Enfin voilà, allez, on passe à la suivante.